Allez, l'extension du feu rouge maintenant. Ils vont s'élancer pour 6 tours et c'est parti avec un très bon départ de Nathan Biel. Philippe Pinsard qui est bien parti, qui va fermer tout de suite la porte à Clémentine Loss. Exactement comme l'avait prévu un certain Yvan Muller. C'est bien C'est marrant, il voit bien les trucs, Yvan. Hein. Ça te rappelle quelque chose? Oui, il a gagné le 10 fois, le trophée en route. 2 fois 5 ou 5 fois 2? 5 fois 2 peut-être. Oui, d'accord. Bon. En attendant, Nathan Biel est super bien parti. Philippe Pinsard aussi. Ils ont un petit peu même décroché, on le voit sur les images. En ce moment, la voiture de Clémentine Loss qui, elle, est en bagarre avec Vincent Beltoise et Laurent Millara. Oui, Vincent Beltoise, c'est très étonnant de le retrouver en queue de la petite finale, mais ainsi a parlé le chrono toute la journée pour lui. Oui, puis il a dit qu'il avait tellement peur d'abîmer la voiture d'Olivier Pernaut qu'il n'osait pas trop aller chercher la limite. C'est vrai, parce que Jean-Pierre le cherche partout avec 11,43. Alors vous le voyez, les embruns de neige qui gênent aussi un petit peu les pilotes. Et toujours Nathan Biel donc, qui boucle ce premier tour en tête devant Philippe Pinsard, Clémentine Loss. Ensuite, nous allons retrouver Vincent Beltoise et Laurent Millara. Ouais. Nathan Biel qui a pris déjà pratiquement 2 secondes d'avance sur Philippe Pinsard. Il a assuré le premier tour tranquillement et il va sans doute aller à la quête du point bonus du meilleur tour en course. Absolument. Alors, pour revenir... Oups. Oui, à tête à queue. Oui, on a une voiture qui est bloquée. Je crois que c'est Philippe d'ailleurs qui est bloqué. Attends, parce qu'avec les embruns de neige, on ne voit pas beaucoup. On ne voit rien. On va le savoir dans quelques petites secondes quand il va repartir. Oui, effectivement, c'était Philippe Pinsard qui s'est retrouvé face au talus. On est rassuré, on n'aura pas besoin de courir. On n'a pas à courir. Écoute, Philippe, ça ne me surprend pas trop parce qu'il m'avait dit qu'il avait certaines difficultés à conduire la nuit et qu'il préfère vraiment conduire en diurne qu'en nocturne. Exactement. Or là, en plus, la visibilité n'est pas terrible avec les volutes de neige. La solution pour lui, ça serait d'être devant tout le temps. Il ne sera pas emmerdé par la neige. Mais c'était raté pour ce coup-ci. Il est parti en deuxième position. Et puis là, il a fait la petite boulette qui lui a coûté cher. Et pour l'instant, Nathan Biel se promène en tête puisqu'il possède maintenant pratiquement 10 secondes d'avance sur la voiture de Clémentine Loss. Donc, il a fait le plus compliqué. Et je pense même qu'il va rentrer, Philippe, parce que le capot... Il rentre. Il a un problème, messieurs, sur sa voiture. Et puis, pour info... très très grosse ornière sous l'Archandros. Ah ben oui, ben ça on le savait, on l'a vu depuis le début des manches qualifs, hein. C'est vrai que c'est un souci. Mais Philippe Pinsard, c'est pas méchant pour la voiture, hein. C'est simplement un petit peu l'avant qui est raccourci de quelques millimètres. Donc Aurélien doit être content, il n'y a pas de souci. Allez, Nathan Biel qui rentre dans son troisième tour maintenant avec toujours sa position de leader de plus en plus confortable. Clémentine Loss est toujours derrière, Vincent Beltoise à la troisième place et Laurent Millara quatrième, donc au pied du podium de cette petite finale. Voilà, petite finale, moyen spectacle, mais le grand spectacle est pour dans 5 minutes avec la super finale élite. En revanche, Nathan Biel, il fait exactement ce que le patron lui a dit de faire tout à l'heure. Hein, oui. Tu gardes la corde et tu fais les chronos et il aligne bien, parfait. C'est une finale sans problème pour lui. Avec une pole qui était méritée, il aurait pu même, avec un peu de veine aujourd'hui, faire un peu meilleur. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Oui, mais il fait partie de ces jeunes pilotes qui sont arrivés cette année dans l'e-trophée Andros Électrique et qui nous bluffent, hein, parce qu'ils arrivent avec des dispositions absolument fantastiques et ils sont à la lutte avec les anciens. Absolument. Et ça nous ravit vraiment. Fait preuve de maturité. Exactement. Et là, Nathan Biel, eh bien, écoute, maintenant, 12 secondes pratiquement d'avance. Donc, il caracole en tête. En plus, oui, il a le record du tour en 47,5. Donc, il fait tout, la totale. Voilà, c'est la totale. Il va prendre la 7e place de la catégorie élite ce soir. Mmh. Et il va récupérer un point supplémentaire pour le meilleur tour en course. Donc, contrat rempli. Et il va laisser en plus la voiture à Yann Herlaché en lui disant, t'as vu, moi, ce que j'en ai fait. Maintenant, ça va faire pareil. Allez, on va rentrer dans le dernier tour pour Nathan Biel. Où est-ce qu'il y est déjà? J'ai pas fait attention s'il était passé. Non, voilà. Le voilà qui arrive, donc il va rentrer dans le dernier tour. On s'aperçoit effectivement que la voiture rebondit là sur les ornières en dessous de l'Archandros dans cette partie-là du circuit. Mais partout ailleurs, le circuit est absolument splendide et les pilotes doivent se régaler. Bien, beau passage, là même si c'était un petit peu large. Voilà, Clémentine Loss, deuxième à 12 secondes 7 maintenant, suivi de Laurent Millara. Ensuite, on va retrouver Vincent Beltoise qui a eu du mal, c'est vrai. Un week-end compliqué pour lui. Un week-end noir et il m'a dit de toute façon, je crois, il est même peut-être rentré, il m'a dit de toute façon, j'ai tellement peur d'abîmer la voiture. Il dit, moi, je suis là pour une course. Par contre, il m'a donné une bonne information, je vous la donne parce qu'on est entre nous ici. Normalement, on va le retrouver en GT4 cette année, en circuit au volant de la nouvelle Alpine. Donc, une belle saison qui se... promène pour notre ami Vincent Beltoise. Allez, l'arrivée maintenant, Nathan Biel. Voilà qui est fait. C'est fait. Il vient de gagner. La première victoire de la soirée. Ouais, elle est pour lui.
en ce qui concerne la catégorie auto. La deuxième place, ça va être pour Clémentine Lost. Et normalement, Laurent Millara avec la voiture aux couleurs d'Andros, voilà, c'est fait. Prend la troisième position de cette finale. J'ai l'impression que oui, Vincent Beltoise et Philippe Bansard sont rentrés prématurément au stand.